Yo les gens, j'espère que ça va. Pouah, ça date de ouf. En fait, c'est même pas que j'avais la flemme, c'est juste que je me disais, j'ai fait un peu le tour. Donc, au lieu de revenir toujours avec les mêmes vidéos, genre, fais une pause, reviens peut-être avec des nouvelles idées en tête, et une fois que tu auras les nouvelles idées, bah tu reviendras, tu feras du contenu, tu vois. Mais ça sert à rien de refaire des vidéos plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, si c'est toujours la même chose, tu vois ce que je veux dire? Donc au final, je regrette pas. En plus, c'est pas comme si j'avais complètement arrêté le réseau, c'est juste que je me suis mis plus sur Insta et sur TikTok que sur YouTube. En soi, YouTube, bon. Je pensais que j'avais fait le tour, mais là, c'est juste qu'on m'a demandé de faire cette vidéo. En fait, c'est une marque qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit: ouais, on aime bien tes vidéos YouTube, on aimerait bien que tu en parles. Je sais même pas comment ils sont tombés sur mes vidéos d'ailleurs, parce que je pensais pas que mes vidéos elles tournaient encore, vu que j'avais gardé mon compte inactif pendant quoi? Ah, 6 mois à peu. 7 mois, 7 mois, ouais, 7 mois. En tout cas, elle a bien aimé, elle m'a dit: ouais, on aimerait bien que tu testes nos produits et que tu donnes ton avis sincère. Donc, je vais être sincère à 100%. La marque, c'est New Chic. Je vais vous mettre leur Insta en barre d'infos et vous allez pouvoir voir leurs différents produits. Et je vais vous montrer ce que moi j'ai commandé. Ce n'est pas des produits que la marque a choisi pour moi, c'est moi qui les ai choisis. Donc, si c'est de la merde, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Je suis grave pas ce genre de bouc à déballer les produits avec vous. Moi, je les essaie en avance, comme ça, je peux me faire mon propre avis. Et au moment de tourner la vidéo, je vous le donne. Donc, on commence par le pire, malheureusement, ce gilet, franchement, bah, n'achetez pas, quoi. Je sais pas si vous savez, mais moi, de base, je suis un mec qui aime beaucoup les couleurs. Et là, en fait, j'ai eu envie de tester quelque chose de nouveau. Je me suis dit, essaye la sobriété, ça peut bien passer, on arrive dans les saisons froides, ça peut être pas mal en hiver seulement, tu vois. Et pour le coup, là, j'ai été déçu. Pas de la couleur, les couleurs sont sympas, pourquoi pas. Mais la matière, c'est pas possible, vraiment, c'est pas possible. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien les vêtements qui donnent du volume à mon buste, qui épaississent ma silhouette, qui me donnent de la carrure. Sinon, bah, je mets un t-shirt, tu vois. Enfin, un t-shirt, enfin, c'est-à-dire un t-shirt à manches longues, tu vois, un truc vraiment fin. Et là, c'est ça, c'est vraiment ça le problème. Et franchement, ce gilet, je l'aime pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais ce gilet, franchement, si je devais le noter, je mettrais 3 pour la participation, les couleurs, tu vois. Mais la matière est zéro, zéro, passons. Ce gilet, alors franchement, là, j'ai osé. J'ai osé, pourquoi? Parce que les couleurs, c'est original de ouf, tu vois. Je pense pas que tu vas trouver une autre personne que moi qui porte un gilet comme ça. Enfin, un cardigan, c'est ce qu'on appelle un cardigan. Le premier aussi, c'était un cardigan, mais pour moi, bon, on va même pas en parler. Mais lui, il est vraiment pas mal. Pourquoi? Parce qu'il est épais. Il est épais, déjà, les couleurs me plaisent beaucoup plus. Je trouve qu'elles me vont mieux au niveau peau. Et en plus, ouais, il tient chaud. Bah, il fait son taf, quoi. Pas comme... Le seul petit problème, peut-être, c'est qu'il est un peu court. Mais pour le coup, je le trouve vraiment pas mal. Et moi qui voulais un truc qui tient chaud en ayant des couleurs, bah pour le coup, là, c'est parfait. Pour l'instant, c'est mon préféré. Enfin, là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, le dernier, c'est celui-là. Alors, déjà, je trouve que niveau couleur, c'est vraiment pas mal. Surtout pour l'automne, pour le coup. Et surtout, il tient tellement chaud. Là, je sens qu'en hiver, je vais être trop bien dedans. Tu sais, quand t'as pas envie de sortir de chez toi et que t'as juste envie d'être dans un truc un peu. Ah, tu vois? Là, ça, c'est parfait. En supposant que je vais le porter à la maison, parce que c'est sûr que je vais le porter dehors. Tu vois, c'est autant de trucs que tu peux porter dehors qu'à la maison. Parce que franchement, non, t'es trop bien dedans. Et c'est tout doux. C'est tout doux. Le seul souci, au niveau de la coupe, parce qu'il y a forcément des soucis, c'est au niveau des manches. Les manches, je les trouve un tout petit peu larges. Tu vois, ça snatch pas autour des poignets. Et au niveau de la taille non plus. Mais, du moins que t'as chaud, c'est ce qu'on lui demande. Donc, rien à dire là-dessus, c'est top. Donc voilà, malheureusement, c'est tout ce que je pouvais commander parce que j'avais un budget qui était imposé. J'ai tout pris en L et je suis plutôt content. Sauf le premier là, mais bon, on va rester sur le positif, on garde le sourire. Si je devais donner mon avis sur cette marque, en fait, bah, j'ai été content 2 fois sur 3, donc je pense que c'est plutôt positif. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu de la chance, j'ai fait des bons choix, mais je pense que c'est quand même une marque que je peux vous recommander sans problème. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de regarder la composition, parce que peut-être que si j'avais vu la composition du gilet là, si j'avais vu que c'était un truc ultra fin, je sais pas exactement, je veux pas vous dire de conneries, mais je vais vous l'afficher. Enfin, de quoi il était composé, de toute façon, je vais vous mettre les liens des 3 trucs. Bah, j'aurais peut-être pensé à 2 fois. Parce que pour le coup, un sweat qui est lourd a en majorité pas mal de laine, tu vois. Donc là, peut-être qu'il n'y en avait pas, voire pas du tout. Donc, bon, la prochaine fois, il faudra que je fasse plus attention. Là, mon problème, en fait, c'est que je me suis juste concentré sur le design et j'ai pas regardé la composition. Bon, je ferai plus d'erreurs à l'avenir. Mais en tout cas, les 2 autres, rien à dire. Après les petites remarques que j'ai faites à droite à gauche. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Parce que moi, j'aime bien YouTube. J'aime bien YouTube, j'ai même parlé en général. Donc, bon. Pourquoi pas, mais c'est juste que j'ai plus d'idées. Ah oui, il y a un code promo aussi, si vous voulez acheter sur le site, n'hésitez pas à utiliser mon code promo, je vais vous mettre en barre d'infos. De toute façon, je vais tout vous mettre en barre d'infos. J'ai un truc très carré, très propre, tu vois, un partenariat, donc quand même, il faut faire ça bien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, un follow sur les réseaux, ça fait toujours plaisir, ceux qui donnent la force. Franchement, les gens qui donnent la force, encore une fois, non, il n'y a pas d'encore une fois, parce que j'ai pas vraiment fait de speech là-dessus, je vous kiffe. Vraiment, je vous kiffe. Vous savez pas à quel point ça fait plaisir de faire du contenu qui te plaît et qui plaît aux autres et ils te le font savoir. C'est vraiment génial. Donc merci de aussi. Gros bisous à tous. Quand je dis la force, ça peut être un like, ça peut être un commentaire, ça peut être un partage, ça peut être un follow. Tout. N'importe quoi qui fait vivre la chaîne.
ou les comptes, ça fait plaisir. Et vous inquiétez pas, comme moi aussi, je donne la force en retour. On archi ensemble, j'espère que la vidéo vous a plu, les gens. Portez-vous bien. Tchuss.